Samedi matin, l'aviron arcachonnais organisait une nouvelle édition de la traditionnelle course autour de l'île aux oiseaux. 32 embarcations, kayaks, paddles, pirogues ou avirons ont pris le départ de cette compétition sous un grand soleil et dans une ambiance bon enfant. Les 85 compétiteurs engagés étaient toutefois tous bien déterminés à abattre le précédent record de cette boucle mythique de 21 km, établi à 1h43, comme nous l'explique Patrick Villeneuve, président de l'aviron arcachonnais. Alors aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle édition du Tour de l'île aux oiseaux. Course mythique annuelle sur le bassin d'Arcachon, qui est un événement assez atypique puisque c'est la seule compétition dans la région où on associe les rames avirons, les pagaies, les kayaks et les pirogues. Donc c'est une course vraiment atypique sur le parcours du Tour de l'île aux oiseaux qui fait 21 km 400 et avec un record par catégorie à la clé. Un record que nous avons mis en place depuis 2 ans maintenant et on prend 5 euros par bateau qui veut tenter ce record et ces 5 euros sont reversés à la SNSM. Nous avons 32 embarcations de tout genre qui correspondent donc à 85 compétiteurs et disons moitié-moitié hommes-femmes. C'est vraiment on est à 50-50. Il va y avoir de la compétition. Il va y avoir de la compétition parce que en fait c'est la première année que nous accueillons les paddles. Donc ils vont se tester sur ce parcours-là. Ils sont très motivés. Il y a 18 paddles engagés et je pense que ça va être une rude bagarre entre eux. Et bien sûr, les kayaks ne vont pas laisser de leur reste. Et puis les avirons, bien sûr, qui sont détenteurs du record absolu. Le record absolu étant 1h43. Et bien, on va essayer de battre ces records-là aujourd'hui. Le temps est magnifique. Les conditions sont optimum. Donc, tout pour faire une belle compétition.